Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mais chef l'état pays, Jovenel Moïse n'est plus. Jovenel Moïse joint assassinat d'aller à la. La Kaeli, Napoléon 5. After more video emerge of assassins outside the private home of Haiti's president. Pas de sacrifice qui doit grand pour Haïti, monsieur. Sacrifice qui doit grand pour Haïti. C'est travail. Et c'est la dame. Et nous, elle doit grand, et c'est lui me fait. Ça veut dire nous-mêmes. C'est 9 mois de monsieur. Qui sacrifice qui doit grand pour Haïti? C'est bon, nous t'y là, et puis malé. Bon, elle est malé. Ça n'a pas avec centrale électrique qui a construit. Mon nom est Captain Gouan. Mon Jacques Mel est Captain Gouan. Mon Saint-Marc est Captain Gouan. Mon Bado Prince est Captain Gouan. Ça n'a pas avec. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui est le 7 novembre 2021. Nous faisons cette intervention aujourd'hui pour commémorer avec tout le respect du monde le quatrième mois. 120 jours, jour pour jour, depuis Jovenel quitter nous en barbal assassin. En effet, à titre de rappel, pour ceux qui ont la mémoire courte, Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021. Il a été assassiné chez lui. 28 étrangers assassins colombiens ont fait irruption chez lui et l'ont lâchement et l'ont froidement assassiné devant sa femme, devant ses enfants. Et sa femme y a échappé belle après avoir reçu plusieurs balles au bras. Les enfants ont été épargnés miraculeusement. Ils sont sains et saufs, mais ont dû avoir une expérience traumatisante. Donc aujourd'hui, quel est le bilan? Où sommes-nous? Sur le plan national, sur le plan international. Donc, comme d'habitude, nous allons faire une analyse et voir comment avancent les choses. Comment est-ce que la justice nationale et la justice internationale avancent pour rendre justice cet assassinat crapuleux? Nous allons voir et faire une analyse pour voir suite à la requête du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, demandant une enquête internationale, comment avancent les choses? Est-ce qu'on ressent une lenteur ou bien est-ce que les choses avancent rapidement? Quelle sera la réaction de l'Organisation des Nations Unies? Quelle est la réaction du secrétaire général de l'OEA? Quelle est la réaction maintenant du gouvernement jamaïcain? Parce qu'en plus, nous avons maintenant le gouvernement jamaïcain impliqué dans une entraide judiciaire. Quel est le comportement du leadership? Aujourd'hui, les assassins du président sont toujours dans la ville. Ils opèrent dans la ville. Ils marchent dans la ville. Ils sont partout dans la ville. Et ils sont même en position de vouloir mettre un système sur pied pour attaquer ceux et celles qui demandent justice pour le président, qui défendent la mémoire du président Jovenel Moïse, et mettre sur pied un laboratoire pour créer la confusion et attaquer le caractère physique et politique de chacun et chacune des personnes demandant justice pour le président. Ceci est trop. Jovenel ne méritait pas ça. Et pour ça, eh bien, nous allons nous battre. Nous allons nous battre jour et nuit, jusqu'à la dernière goutte d'eau, jusqu'au dernier souffle, pour demander, pour crier haut et fort, justice pour Jovenel. Justice pour le président Jovenel Moïse. Est-ce que cela veut dire
que nous sommes jovenelistes. Est-ce que cela veut dire que nous participons à un mouvement politique? La réponse est N-O-N. Non. Nous sommes des citoyens haïtiens. Nous respectons la mémoire du président Jovenel Moïse et nous le faisons par conviction personnelle, non pas pour des gains politiques, parce qu'il est nécessaire pour que notre pays, notre peuple connaisse la vérité, pour que le pays ne subisse jamais plus un événement pareil. Et pour ça, il faut tracer un exemple et il faut rendre justice. Pas à cause d'un projet politique, mais à cause d'une quête, à cause d'une poursuite pour savoir la vérité. Et c'est essentiel de caractériser cette demande comme une demande citoyenne qui n'a rien à voir avec des mouvements politiques. Donc, je vous remercie d'être avec nous et je remercie le journaliste vedette de la diaspora, M. Chenet Niret de Haïti On Demand. Je remercie aussi le citoyen engagé, l'analyste M. Evans André, qui est avec nous pour la première fois, pour cette petite demi-heure pour discuter et échanger des idées de comment est-ce qu'il voit cet assassinat, qu'est-ce qu'il pense qu'il devrait être fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, nous allons commencer avec une analyse au point de vue national. Qu'est-ce qui a été fait comme bilan sur le plan national? Donc, Chenet Niret et Evans André, en commençant par Chenet Niret, côté nous, aujourd'hui, là, et qui, selon nous-mêmes, OK, nous avancer dans la question et justice pour le président Jovenel. Tout peuple qui a crié justice, qui ça a fait? PM, son plaisir pour moi avec vous, Mathéen, pour me partager plateau avec Evans. Le 7 juillet, 7 novembre, jour pour jour, ça fait 4 mois. Et dernière fois, nous étions là, nous étions lancés sur une forme de conversation qui était le mois d'octobre. Et nous croyons que les réactions ont été dites pour beaucoup comment nous avons été manifestés, comment nous avons participé. Et je dis à nous venir là encore pour nous faire une suite avec même type de conversation sérieux. Et pour nous garder exactement qui ça a fait, nous croyons qu'il y a un pile bagage à développer. Nous sommes obligés de parler de tout. Intimidation, nous connaissons surtout ce juge-là. Nous avons une belle nouvelle qui sont là. Mais pour diaspora, nous croyons que le travail, là, c'est toujours sous plateforme, sous réseau sociaux. Nous manifestons en pile mécontentement, mais nous sommes capables de tenir réellement un pourcentage fort, nous sommes capables de dire que définitivement nous concernons. Et je dis à nous venir simplement pour nous rassurer en tant qu'une plateforme diaspora, moyen technique que nous avons continué à engager, à savoir sénateur New York, député New York, nous gagnons des informations que nous avons partagées avec eux, numéro de téléphone que nous avons partagé avec eux, puisque ça nous demande d'aller aussi simple tant qu'on fait que ce délit, c'est justice pour le président Jovenel. Les nous sommes là, nous sommes avec vous, nous là ensemble sur le plateau, nous allons continuer de ça. Donc, sur le plan national, à titre de rappel, et après assassinat, OK, donc tu as des arrestations que tu as faites. Donc tu as 44 arrestations que tu as faites et tu as gagné plusieurs monde qui t'ont sauvé parmi lesquels et un Colombien créé Carlos Palacio qui t'ont sauvé. Le sauvé Kounia là nous voit que eh bien la justice internationale t'est activée d'elle mais pas de jeune personne. Et d'un monde qui est en prison, il y a 44 monde qui est en prison, parmi lesquels chef garde présidentiel là, Dimitri Erreur, et gen civil Laguel qui est en prison tout. Et ensuite, il y a une série de Colombiens qui est en prison. Nous avons dit que les Colombiens ont été en prison, ils ont dit que ils ont perdu 30 ou 40 livres, donc la prison a été pas bon. Donc ils ont demandé au gouvernement par eux pour faire une intervention pour eux. Pour que yo capable gagner de meilleures conditions de vie. Et ensuite, yo t'ai nommé un juge, donc ça c'est à titre de rappel.
Yo te nommé juste Mathieu Chanlat qui était nommé et juste après nous t'ai eu assassinat greffier juste Chanlat et juste là t'ai plein parce que pas de jeune sécurité etc. Donc et monsieur t'ai à l'école. Ensuite j'ai vu nommer un deuxième juge qui c'est juste Gary Aurélien et nous mettre soigner dans ça. Et juste Gary Aurélien commencer faire un travail, commencer convoquer monde, commencer et tendre plusieurs monde et parmi lesquels Dimitri Erard et l'autre monde qui eux même était impliqué qui dans la mort président. Eh bien nous voyons que yo font attaque sur juge d'Aurélien, sur juge Gary Aurélien. OK? Yo font attaque, yo casser bureau monsieur. Et imagine au tout côté yo cassé bureau monsieur, ça son forme d'intimidation tout et pour décourager monsieur certainement parce que après ça qui passé avec juge Mathieu Chanlat là qu'on est à juge Gary Aurélien yo cassé bureau monsieur et puis même jour bureau vandalisé et ensuite yo criblé machine monsieur avec balle tant que pour voir un signal son signal yo voyé pour faire attention parce que nous connaît que assassin yo toujours dans ville là et nous connaissons qu'il a fonctionné dans la ville là. Donc nous gagnons et depuis là ça a pas aucune nouvelle arrestation faite en Haïti. Plusieurs mandats été émettent contre présumé et assassin et président Jovenel Moïse, mais tout le monde est toujours dans marron. Et donc dans ce sens ça, on gagne Dodov Jao, on gagne Badio Joseph, on gagne John Joel Joseph, Pasteur Bataille, on gagne madame Wendell Cook qui lui-même était dans le premier coup d'État, lui dans le deuxième coup d'État, bon, dame ça lui-même est toujours dans le mouvement ça. Et on pas senti que vraiment il y a aucune mesure qui prend jusqu'à présent pour trouver commanditaire assassinat. OK, rien n'est pas clair. Rien n'est pas clair. Commanditaire financier, yo. Commanditaire politique, yo. Yo toujours dans la rue. OK? Et donc sous point ça d'ailleurs mais que nous font analyse et puis prend des opinions et donc nous gagnons events et André avec nous là et ou même qui gens que vous ressenti qui gens que vous ressenti question assassinat et puis qui sont ouais et qui gens ouais que bah avancer. Thank you Laurent for having me. Thank you Chanel. Pleasure. To better understand the situation, the current event in Haiti right now, il faudrait que nous devons remonter depuis selon moi Jean-Jacques Dessalines et suivre chaîne d'événements qui arrivent après la mort Jean-Jacques Dessalines pour nous arriver à la mort Jovenel Moïse, pas vraiment d'aucune différence. Parce que Jovenel, président, a commencé à faire des réformes et à partir de réformes que le président Jovenel a fait, une série de chiffres qui sortent, particulièrement dans l'histoire de pétrole, dans la télécommunication. Et je suppose qu'à partir de tout gros chiffres que le président a avancé, bon, il y a des gros intérêts qui menacent. Donc, ceci étant dit, qu'il y a une événement privé le 6-7 juillet, le 6-7, jour de la mort du président. Et Haïti, son pays qui hijack, si vous voulez, son pays qui driven by force, ou bien des gens qui au pouvoir en Haïti depuis 200 ans, c'est-à-dire que son système qui aime l'État, et nous avons expérience sur fait dans plusieurs coups d'État, dans plusieurs assassinats de président, fait déjà. Depuis qu'on a un monde qui a fait des intérêts, et les peuples, toujours gagné, fini par justement s'activer le président Jovenel Moïse. Donc, je dis là, et malgré que je m'étendais que j'ai un pile de monde qui a arrêté dans l'assassinat du président, un pile de monde qui a cherché toujours jusqu'à présent, bon, nous parlons d'un gouvernement de gros efforts qui a fait, en dehors de toute la mobilisation populaire qui fait, notamment dans le nord, le nord-ouest, et peut-être dans la diaspora aussi à Miami. Mais nous pas avec grand chose qu'a fait parce que nous avons un gouvernement là en Haïti malheureusement nous voyons que pas une réaction de gouvernement qu'a prend
pour t'amener peut-être en force internationale ou bien en enquête internationale pour t'amener la lumière pour le président. Donc, son pays actuellement là, nous ne savons pas qui s'est dirigé, l'État a délabré. D'ailleurs, l'État lui-même, c'est dans la saline qu'il y a actuellement. C'est sous zone défavorisée, là, c'est là actuellement nous donner l'État. Parce que nous voyons que l'actuel chef gouvernement là, l'a dirigé son bord et puis qu'on équipe de force, soi-disant révolutionnaire dans le pays, qui a dirigé. On sait de l'autre zone dans le pays. Hein. Donc, pas de l'ordre, pas de justice, c'est le chaos. Donc, que faire? Que faire, c'est ça que justement que pour même et justement PM Lamotte t'a demandé et peut-être un pilote qui m'a demandé le tout. C'est peut-être on institution internationale qui peut avoir une fois enquête pour nous jeter plus lumière dans la mort président. Parce que si c'est sous gouvernement haïtien avec la justice haïtienne que nous avons compté là justement, nous n'aurons nulle part. Nous ne parlons aucun côté là avec ça là. Déjà 4 mois, en dehors de l'arrestation qui a été faite, nous avons une intimidation qui a été faite de part et d'autre. Sous juge, sous on sait de l'autre monde. Donc, qui est-ce qui parle de la justice là? Dans les circonstances que nous avons là. Pas quoi que nous avons espoir là, du tout. Evans, merci Chanel ou même bon l'autre. Evans, moi mes approches là, moi mes débuts, malgré que vous dites, si nous avons fait. Et en rétrospective, depuis comment ça a été fait au moment après Jean-Jacques Lang, mais simplement, on est capable de dire que nous vivons le temps, différents temps pas même. Moyen de communication, si bien volonté réellement vraie, on pensait que mécanisme, façon pour être capable réellement de mettre tout bas sur le tableau de la jeune justice là, il est là. Parce que nous vivons dans le 21e siècle. Quoi que si gagné, des états de droit qui établissent, s'il y a réellement des investigations qui ont fait, c'est sûr que nous avons besoin de résultats. Et PM se dit qui est important, nous sommes capables de regarder qui est-ce qui peut faire quoi. Parce que tellement il y a des bagailles pour nous essayer de faire. Et c'est là que nous trouvons que le type de conversation, ça a rappelé Mounio que nous avons une responsabilité. Et je crois que pour génération pas maintenant, moi-même, je me décide de me dire, moi-même, moi, là, dans la conversation, il fait sens pour nous connaître exactement qui est-ce qui fait quoi. So, on parle de différents temps parce que moyens technologiques permettent, je veux dire, comparativement, sans s'apathier dans tant longtemps, pour nous capables réellement jouer une justice pour Jovenel. Et bon, moi-même, je pense que nous avons une situation qui compliqué en pile et j'aime d'ab dire comment dit terre toujours là et comment dit terre financier comment dit politique et assassin toujours dans ville là donc assassin va laisser faire tout ça capable pour bouiller pissio il va laisser créer un chaos et même des mecs que chaos ça cap faire en Haïti jodi là il parle dans sens ça il parle dans sens on stratégie ça la stratégie du chaos pour bouiller les pistes OK change narrative. Parce que c'est pas normal que que ça qu'a fait là tout kidnapping ça tout gang ça qu'a opéré et puis on pas jamais senti vraiment combat a fait vraiment OK contre et kidnapper contre et bandi yo ça dit que nous situation côté que quand même on gagne 16,000 policiers OK qui ça a empêché par exemple qu'on mobilise moitié force là OK pour dire la problème ça. Qui ça a empêché ça? Qui ça a empêché par exemple que Jodien là ou on l'armée qui ont un budget de 2 millions de dollars par an qui totalement pas assez? Qui ça a empêché yo par exemple mettre un service d'intelligence? Parce que là qui ça a passé? Nous avons un problème dans sécurité ou gain trois points, ou gain point ou gain force police là qui lui même une force anti kidnapping là dedans. Qui ça a fait pour renforcer force anti kidnapping là? Ou gagne tout possibilité pour mettre un corps anti-gang qui était entraîné par une force étrangère pour capable goumer contre gang ça yo OK bah bon j'ai équipement bon j'ai véhicule OK pour capable contrecarrer et gang ça yo donc toute base ça et puis
tout ou capable faut qu'on y a là parce que c'est essentiel pour mettre sous pied mon service intelligence parce que tout ça qu'a fait là intelligence ça va dans la radio nous même toute intelligence sur la radio tout bah on fait mais ben dire à lui-même kidnapper à lui-même la tête de radio tout il a radio tout so, si tout si qu'on y a tout bah fait dans la radio monde que ou supposé à l'DL là si la tête de toute stratégie ou eh bien côté d'abrivé là. Donc faut faire attention que chaos ça c'est pas un chaos qui est orchestré pour capable bouiller pissio pour pas arriver s'ouvrir et comment dit parce que nous connaît que tout dans la rue. Tout dans la rue je dis là. Donc tout ça donc ceci pour dire faut faire attention et nous demander tout que faut des moyens additionnels qui mettent à disposition juge là à disposition justice pays là. Parce que ça assassinat ça c'est la plus grande c'est une plus grande catastrophe que pays a gain imagine un mois pays a gain un tremblement de terre pays a gain un assassinat en président OK ensuite un cyclone donc nous avons plusieurs changements fait dans tête PNH là OK il y a du nouveau sang on t'a souhaité que nouveau DGA lui-même il t'a recommencé mettre pression sur assassin et sur le plan national en Haïti. Alors, même là, tout, on a demandé dans la transition nouveau DGO, est-ce qu'il y a une suite, pour nous dire une suite de progression, et quel type d'information que DG sorti a quitté au lieu pour la date de se commencer? Je pense que la conversation que nous commençons là, définitivement montrer que l'important pour nous continuer à demander justice. Et dernière fois, nous demandé qui ça n'a pas de point de presse. Je dis même pas quoi que pour moi, j'ai bien un update qui dit, à partir des effectifs nombre de monde qui ont déjà arrêté et combien de monde qui dehors y a cherché, qui côté y a. Je pense que ça, c'est des bagages qui aussi, d'après les basiques même, si toutefois que nous gagnons un pays ou bien une institution, tant que nous tous qui concernés, pour nous chercher qu'on est exactement qui est-ce qui fait ça. L'un dit qui est-ce qui fait que ça, il va arrêter un pile monde. Qui est-ce qui paye fait que ça? Et je pense que c'est là que la conversation doit continuer. Bon, c'est clair. Ça veut dire que bon, là, nous gardons sous plan national. Là, qu'on y a là, on a besoin de sous international là, parce que nous connaissons que quand même, et ça a son crime très national qui fait. Et il y a une mafia dans le bar là tout. OK? Et j'aime garder le bar là. C'est bon bar qui simple, c'est bon complot simple. Et. Non seulement il y a mis de pression, mais même assassin ça, il y a mis de pression qu'on y a là sur le monde qui a défendu mémoire président. Et si vous regardez bien, moi-même, personnellement, c'est un monde. Et depuis le premier jour, je demande de justice, je demande pour un commissionnaire international de monter, je demande pour un tribunal international de monter. Et puis ça n'a pas fait un pile monde président, ça a fait un pile monde fâché. Et puis, sur le temps de là, il y a payé le monde sur Internet, créé faux compte Twitter, fait attaque, créé laboratoire. Bah ça y est comme si m'dadou c'est une forme d'intimidation mais bon moi même style d'intimidation ça va marcher parce que j'aime dire même ben c'est mon responsabilité morale OK pour me continuer demander justice pour président pays qui mouri dans condition que personne pas comprendre personne pas connaît et là ben c'est que moi sur bon route là et nous tous nous sur bon route là tout le monde qui demander pour ça passer président Jovenel Moïse donc Qui j'ai que vous même ou senti réaction internationale. Est-ce que vous pensez que réaction est appropriée? Est-ce que vous pensez que t'es qu'à faire plus? Et est-ce que vous pensez que y a mété y a une volonté réelle pour joindre assassin? Mais qui j'ai international là pour avancer après que Monsieur Daniel Foot fait une déclaration comme ça pour dire que Monsieur Ariel Henry est impliqué dans l'assassinat président? Ni jusqu'à présent au pouvoir. Donc, qu'on y a là, on a regardé des fragments de la population qui est en gang, des bandes armées, de à droite à gauche, parce que justement, où on l'État qui n'a pas fait confiance, où on l'État qui est délabré, un pays qui est disloqué, la police, avec des faibles moyens, lui-même, n'est pas qu'à venir à secourir peuple, la population. Donc, c'est pas de confiance. Pas de confiance dans le gouvernement. Là. Et si vous avez un international qui peut faire quelque chose pour nous, je ne sais pas si c'est avec Mounsa là que vous pouvez faire. Donc, en même temps, la gang armée qui est dans le pays,
Pour quelle raison, c'est-à-dire que nous venons joindre sauver un durcissement de gangs armés après que l'homme Jovenel Moïse vini. Donc, est-ce que c'est les revendications populaires, yo, justement, nous avons des revendications que nous n'avons pas eu espoir du tout qui fait que nous avons un durcissement de cette situation? Ou bien est-ce que c'est une radicalisation de certaines branches de la population? Hein? Ou bien est-ce que justement c'est des mondes justement qui là pour déstabiliser le pays? Hein? Nous ne connaissons pas. Donc, c'est toute question ça là justement. Même si c'est que Haïti actuellement a besoin d'une force internationale, a besoin d'une force multinationale qui peut venir pour que nous ayons certaine paix, une certaine stabilité. Ensuite, à ce moment-là, nous pouvons commencer à joindre à des dossiers qui ont dormi justement, et notamment la mort du président Jovenel Moïse. Parce que ça arrive dans le pays, c'est justement c'est à partir d'une certaine impunité qu'il a depuis trop longtemps. Même sous le régime des Duvalier, quand tout le monde qui mourit, pas jamais de justice qui baille. Il y a des coups d'État militaire qui fait. Pas jamais de justice qui baille. Donc je dis à la radicalité. Actions à gagner des gangs armés, les cas multiples raisons. Les cas pour des raisons, et justement, ces revendications par eux à faire battre. Il y a peut-être que c'est délabrement l'État même. Il y a que l'État, son l'État, fatra que l'État. Donc, étant donné que même les jeunes ont une pratique pour faire l'argent par eux. Donc, il faudrait justement recomposer l'État. Mais qui j'en va recomposer l'État là? Et je n'ai pas qui j'en ouais par là ou même. Bon, je pense que forme de pression que nous commençons à faire, hein, et c'est pour la première fois que nous entendons publiquement à prononcer encore un coup de semaine, non? Ça a montré que l'international là, important pour nous-mêmes continuer à faire pression, surtout dans la diaspora haïtienne. Par exemple, je dis à moi venir là avec des informations autour des sénateurs que nous avons supportés, surtout durant l'élection dans un Sénat, qui dans Washington DC, que vous présentez, c'est continuer à faire appel, demander pour être capable définitivement tout ça capable pour justice là capable de vivre. Et parce que la pression, ça est important. Par exemple, je dis en là, si il y a des gens qui attendent au nom de Georgia, c'est aussi simple, sous nos boostons, ou aller dans Google, ou à Cloud Genio. Par exemple, pour Raphaël Wanak, pour nous faire pression, pour nous faire coup de fil. Monsieur dans Washington DC, il y a un câble dans 202-224-3643. Ça a aidé en pile. On a répété encore pour Wanak, qui c'est 202-224-3643. Et l'autre sénateur, qui c'est John Ossoff, monsieur, ça c'est Moon qui est dans la zone Atlanta, au Cap-Fell pour New York, Cap-Fell pour Miami. Coup de fil, ça est important. C'est relé Ossoff dans 202-224-3521. Parce que type de pression ça est important parce que nous-mêmes tout nous bon travail que nous fait pour sénateur ça pour représenter monde qui représente nous dans état côté nous hein? Et ça capable arriver réellement faire un pont côté que pression capable réellement venir établir pour capable et justice ça et faire international là involve pour capable une justice pour président. Donc ça n'a demandé là c'est que haïtien et qui dans 10e département haïtien dans diaspora pour impliquer commander justice pour président. Donc, les sénateurs ont dit que vous aimez que sénateurs ou bien congressmen, vous-même, supportez une campagne de demander justice pour président Jovenel. Et ensuite, nous avons un événement passé il y a quelques jours, côté que, eh bien, un suspect numéro un, yo en barcode, Carlos Palacios, qui sont Colombiens qui t'est sauvé. On va encore arriver. Et Jamaïque, par contre, si ce n'est pas bateau ou bien qui j'en arrive, mais il quitte Haïti, il finit chez le président et puis il rejoint Jamaïque. Donc, le gouvernement jamaïcain met le barcode basé sur un mandat d'arrêt international et de Interpol qui était sous lui. Et ça qui vient de passer, c'est que, eh bien, Mounsayo, il a discuté ensemble avec le gouvernement haïtien, quoi que le gouvernement haïtien. Et le ministère des Affaires étrangères a demandé un transfert pour que le vienne répondre à une question juge Gary Aurélien. Eh bien, nous par contre, ça a passé. Est-ce que le gouvernement jamaïcain est en bas? Est-ce que le gouvernement jamaïcain est en pas bas? Parce que Carlos Palacios a son gros poisson que vous prenez.
un deuxième point que nous capable garder c'est que l'ONU et là en bas au retour sous requête gouvernement TFA sous commission d'enquête internationale là ni sous tribunal international là c'est comme si l'ONU parker l'ONU parker OK et ça a fait une clé sous je te dis d'abord c'est le conseil de sécurité va me donner rien mais depuis leur besoin depuis besoin bagaille premier c'est piche devant bannement. Bon, j'enchaîne à dire, l'OEA, nous avons hier, Luis Almagro, secrétaire général de l'OEA, lui-même, lui demande justice pour le président Jovenel. Donc, justice là, dans le cas ça, faut que et l'OEA lui-même, lui bouge l'école pour faire le café. Au niveau BINU en Haïti, je n'ai pas eu aucun update. Et au niveau FBI et Boïsia, parce que si son bilan a fait, si son constat a fait, on a constaté que pas aucune arrestation qui fait aux États-Unis. Nous avons souhaité que vous continuiez à travailler sur le dossier. Et au niveau DNI en Colombie, parce que nous songeons que quand même, au niveau FBI, il y a été un compagnon ici qui était le CTU, qui lui-même, c'est lui-même qui était financé, c'est lui-même qui était voué l'argent pour mercenaires. Donc, Nex a toujours libre et libre, il y a marché dans la ville là comme si de rien n'était. Donc, au niveau FBI, et nous ne connaissons pas ce qui a passé. Et au niveau DNI en Colombie, donc DNI lui-même, c'est l'Agence nationale d'intelligence colombienne qui était sous dossier. Eh bien, moi, le gouvernement colombien, tu as plus content si vous lagué Negu que pour le président de la justice. Ok. Moi, je pense que la justice pour Jovenel, il est supposé venir interne. Avant tout, je pense que l'interne avant que l'international. Parce que c'est pas le président Pario qui mourit, c'est le président Haïti mourit. Donc, c'est devoir, pays d'Haïti, c'est-à-dire que sacré était dans l'antical, la justice qui était dans Haïti, hein, avec quelques institutions et puis des organisations, justement, en Haïti de la que bon lever campé pour ta fête il faut que son lever campé qui pour secouer justement actuel gouvernement qui a pu comprendre que justement président assassiné ni mouri bien monde qui a mené justice dans le pays hein, et à l'interne à l'intérieur du pays faut le commencer et après ça pas une fête moi pense que international n'a pas qu'à support pas que nous obligé laguer dossier assassinat président sous dos international pour venir de nous. Pour venir de nous par le président haïtien en justice. C'est d'abord faut commencer à l'intérieur du pays. Pays a besoin qu'on ait ça qui passe. Président mourir, et même rien pile mon guide. Je dis, mon cher président mourir, et les mourir net, mon cher continue. Ok, mais il va comprendre nos bagailles. C'est que le président mourir, ok, c'est vrai. Mais dans qui circonstance moun ki tue li yo, OK et moun ki mette l'argent pour tuer président demain matin on l'autre président monter yo pas d'accord avec politique président y a craser moun sa tout même bagage et pays a tombé dans même choubou ça veut dire que pays en passe son trauma pour pays en sortir dans trauma faut pays lui-même li connaît que tout moun ki te commet assassinat ça et même tout moun ça yo en bas code. Parce que sinon, pays pas jamais en paix. Et c'est ça nous qui a passé là. Ça veut dire que nous avons une dislocation du système, non? Ok? Qui largement bénéficie les gens qui a supporté KO. Parce que là, très difficile nos situations aussi chaotiques que ça pour mener une investigation normale. Parce que si qu'on y a la juge là pour cartouche, si qu'on y a la et moun ki nan chaîne judiciaire la prend pression et yo senti que gwanarchi total que n'importe qui assassin capable rive sou yo et mais son message que toute chaîne judiciaire la recevoir donc c'est pour ça que moi-même moi pense que au niveau local faut ne faire participer pas nous mais pas oublier monsieur son crime transnational que lié comment un juge en Haïti a capable traiter un dossier CTI aux États-Unis qui lui-même financé un groupe Colombie pour venir tuer un président en Haïti. Donc, ça dit que le crime, ce n'est pas un crime qui est en Haïti seulement. Et c'est pour ça que nous demandons tout, une commission d'enquête internationale.
mais pas je me fais pas une volonté pour faire parce que je pas une volonté vraie pour arriver sur assassin sous qui est-ce qui tue président. Et puis pour qui ça tout, est-ce que bon coucou rouge qui l'a guidé tout nègre qui n'a pas un pas senti ça. Je dis à l'ordre dit c'est haïtien, c'est comme si Ndadou son maladie qu'on gagne. Quel que soit mon dit que c'est haïtien, il m'a gardé mal. Il dit ça va passer pays ou là là. Est-ce qu'on fait un pacte avec le diable? Est-ce que c'est plus mauvais bail que avant, j'ai déconné les mouns somali, les dégâts problèmes somali dans les années 80. Et même moi que c'est consacré. Et nous pas besoin d'arriver là. Nous pas besoin d'arriver là. Nous sommes un petit pays, nous sommes un peuple qui. Nous sommes un peuple quand même qui a une pile fierté. Okay? Nous fait l'honneur d'un pays. Nous libérer pays nous de l'esclavage, des esclavagistes. Okay? Nous n'avons pas besoin d'arriver dans ce côté nous là aujourd'hui. Et c'est pour ça que faut que nous avons une position de principe. Une position de principe que pour moi de justice. Pour président Jovenel. Ou pas obligé besoin poste, ou pas besoin job pour demander justice. OK? Donc nous devons faire point ça à passer que nous allons continuer bataille pour que justice faite pour président Jovenel. Et moi merci tout le monde. Moi merci Chenet, moi merci Evans, moi merci nous tous qui participer et puis on nous continuer bataille là pour demander justice. Pour Haïti, justice pour président Jovenel, pour que ça ne va jamais faire encore dans l'histoire du pays. Merci. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable de jouer nous, son babé à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.